somme nous va joindre somme 19. Somme 19. Gloire à Dieu. Au chef des chantres, somme de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil, et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi a reçu instruction pour qui les observe. La récompense est grande. Qui connaît ses regardements? Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. Qu'il ne domine point sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. En ce mois de prudence, lorsque nous parlons prudence, nous aimons que nous mettions poids sous le lit. Il faut que nous soyons capables d'être prudents. Et, frère Semio, prudence et déo. Pour pas tomber dans pile piège qui tonne pour même. Soyez prudents, mes frères et mes sœurs. Proverbe 12 à 23. L'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame la folie. Proverbe 14, verset 18. Les simples ont en partage la folie, et les hommes prudents se font de la science une couronne. Matthieu chapitre 7, le verset 6.
Matthieu, chapitre 7, le verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Proverbe 21-23, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Frère Mio, sœur Mio, la prudence est nécessaire. Frère Mio, sœur Mio, lorsque nous parlons, moi, cela, mettez la part comme moi de prudence, nous connaît exactement Sanadio. Soyez prudents. Nous te disons hier, lorsque vous refusez jeter ça qui n'est pas bon, lorsque vous refusez laguer ça qui n'est pas bon, ça qui n'est pas bon, faut souffrir puis devant. Ça, c'est un conseil de prudence que nous avons. Nous avons une série de conseils que nous préparons pour le peuple bon Dieu, que nous relais Life Ways, les chemins de la vie. Il y a un moment qu'on va vivre. You dress don't mind to die. Même Jean, apôtre Paul dit, dérivé dans un moment, il dit, la mort met un gain. Pas oublier. Parole ça qui dit, aux morts, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Chrétien, pas doué peur la mort, parce que la mort, c'est un gain pour tout le monde qui est en Christ. Nous toujours disons que ceux qui sont vivants en Christ, sont heureux. Mais ceux qui sont morts en Christ sont des bienheureux. Comment nous expliquer ça? Tout autant qu'au vivant, il y a pile bagaille qui cavine sur tout, qui capable cause foire en péril. Mais lorsque vous mourrez en Christ, c'est fini. Ou juste attendre la résurrection, le son de la trompette, pour capable entrer dans ce corps glorieux. Ceux qui sont vivants en Christ sont des heureux, mais ceux qui sont morts en Christ sont des bienheureux. Mes frères et mes sœurs, nous joignent à cause qu'un pile monde pèle en mort, ils ont entré en compromis à tant de choses. Imaginez, yon monde, parce que le connaît le cas mourir, yon âme dans la tête, il fait tout ça que l'autre l'a demandé pour le faire, même là, il compte froid. Juste parce que l'y peut la mort. Et moi songer, yon musulman qui te dit, yon chrétien, yon parole. Il te dit comme ça, lui-même, il remet la mort, même Jean ou même ou remet la vie. Une façon, ils ont instruit musulmans,
Malheureusement, il est au mal. Il fait reconnaître si il mourit, même là, il détruit propre tête par eux, il poil dans le ciel. Faux. Et ça fait un pile, mettez appareil sur eux, pas même vouloir citer nom, pour être capable d'exploser tête eux en plein public. Parce que ils vivent dans l'ignorance. En plein public, ils explosent tête yo. Et un pilote mourit avec yo. Parce que Dieu, si on fait ça, il a joué nos coups et récompense. Mais cependant, parlant de coups et récompense, ou joué une coups et récompense seulement, Jean que nous lit dans Psaume 19, verset 12. Lorsqu'on suive instruction que bon Dieu m'a eu, et lorsqu'on pratique instruction que bon Dieu m'a eu, récompense ou grande. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Psaume 19, le verset 12. Frère Semio, m'patareme pour arriver dans une position parce que vio en péril pour faire des choses abominables. Frère Semio, même là, t'arrivais au moment pour passer par la mort. Allez avec toute fierté chrétienne. Pas oublier la Bible dit non, pas jamais peur, ça qui a tué quoi, mais qui pas qu'a fait rien à homme. Yon qui a tué quoi, mais yon pas qu'a détruit homme. Parce que notre âme est éternelle. Yon vrai chrétien, don't mind to die. Il pas peur la mort. C'est pas parce que yon zam nan tèt li. Pou yab di l'fè des choses terribles pour la fèl quand même. M'songe, dans le Middle East, était près des chrétiens. Assis, était près des chrétiens. Yon mette yo à genoux. Après, yon tué yo. Et l'aime garder celle-là, moi dit, qu'on est difficile lorsqu'on n'est pas en position, ou capable de dire quoi que ce soit, mais moi-même, je ne vais pas mettre à genoux parce que j'ai en tête moi. Soit tu aimes debout, mais à genoux pour tuer m'non. M'pas d'ap fait ça. Gémon, parce que zam nan tête yo, yo fait des choses terribles, et ça arrive en Haïti, parce que un pile monde peut mourir. Lorsque l'apôtre Paul dit, Christ est ma vie, la mort m'est un gain, il connaît parce que il est arrivé dans une position qu'il croit, qu'il croit que la ville cachée en Jésus-Christ. C'est dans Philippiens 1er, le verset 21. Apôtre Paul dit aux Philippiens, Christ est ma vie et la mort
m'est un gain. Frémio, Semio, gen yon bagay que mwen ta remè fò konprann. Mwen ta remè fò sonje. Mèm Jean, apôtre Paul dit: Christ est ma vie. La mort m'est un gain. L'Ecclésiaste aussi lui dit: la mort est préférable à la vie. Parce que la vie ici temporaire, mais lorsque yon mourit en Christ, l'éternel. Ephraim Semio, mwen songe Jonas, t'es arrivé dans un moment très difficile. Dans Jonas 4, verset 3, il te dit: maintenant, éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Et nous joignons encore dans Jérémie, chapitre 8, Jérémie, chapitre 8, le verset 3. La mort sera préférable à la vie pour tous ceux qui resteront de cette race méchante dans tous les lieux où je les aurai chassés, dit l'Éternel des armées. Dans Ecclésiaste, chapitre 7, à partir du verset premier, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Nous t'aimons qu'arriver dans position en tant que chrétien. Dernièrement, nous te posons une question. Qui le dans la vie ou connaît? Ou connaît? Qui le dans la vie ou connaît que vraiment, après un acte, après une parole, après une action, ou capable de dire que moi, c'est un chrétien? Eh bien, il y a une réponse. C'est lorsque on est capable d'arriver dans un moment où dit: au mort, où est ta victoire, où est ton aiguillon? C'est lorsque on est capable d'arriver dans une position pour capable camper sous tête dernier ennemi, ça, que Jésus-Christ dit non. Dernier ennemi qu'on gagne pour vaincre. C'est la mort. La Bible considère-le comme le dernier ennemi. Vous connaissez? Moi, peut-être, capable de prendre un petit temps pour m'expliquer ça. Et c'est là que la. Que c'est là que n'a metté fin pour avion en décoller. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 26, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort.
Pour qui ça? Apôtre Paul dit ça au peuple corinthien. C'est-à-dire, Jésus-Christ dit nous, dit ben nous, pouvoir et autorité. Libanon, pouvoir et autorité sur tout ça qui existait. Dans Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Libanon, autorité et puissance, pouvoir sous toute force l'ennemi. La mort la donne aussi bien. Bon Dieu, banon, autorité sous la mort. C'est peut-être ça, il fait des moments de résurrection. Des moments pour montrer que le gain autorité sous la mort. Combien de fois moi-même avais en tout cas mouru déjà? Bon Dieu dit non. T'as coup, ma fille bien-aimée te dit dans le message, dit, be still, arrêtez. Et lorsqu'elle dit arrêtez, même la mort, elle dit la mort, campez là. Ça, on ne peut pas prendre. Ou qu'on combien de fois elle détruit déjà, elle n'est pas capable. Ou qu'on combien de fois elle détruit la vous déjà, elle n'est pas capable. C'est parce qu'on vient victoire sur l'ennemi. Ou qu'on combien de fois ça bloqué sous vous déjà, il n'est pas qu'à tirer. C'est parce qu'on vient pouvoir sur la mort. Ô mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? N'aie pas peur de la mort. Pas besoin de peur. Quand combien de fois la mort vient frapper partout, moi je suis à l'hôpital. Il dit nous on est bien haut. Cap entrer, cap garder, cap entrer dans toute chambre. C'est l'ombre de la mort. Mais il n'y a pas de cap entrer le ça dans l'hôpital là. Parce que je maman peut arriver pour le mourir. Combien de fois l'ombre de la mort barré avec nos accidents, ou combien de fois l'ombre de la mort barré avec nos accidents petit tout. Petit garçon Jonathan, petit garçon Oliver, ils ont fait des accidents terribles côté machine dans Totolos, mais l'ombre de la mort pas de pouvoir sur eux. L'ombre de la mort pas de pouvoir sur petit bon Dieu. Jésus-Christ dit, même là où est comme ça, t'as passé par la mort, ou toujours gagne la vie. Croyez-vous cela? Que bon Dieu est capable de bénir. Rendez-vous à notre prière de midi. Bon Dieu touché, oh bon Dieu béni, oh bon Dieu protégé. Oh. Avion a décollé. Que bon Dieu bénisse encore une fois. Alléluia. Ô mort, où est ta victoire? Où est ton aiguille? Votre attention, s'il vous plaît. Puissance Airlines annonce le départ de son vol 722 à destination du paradis céleste. Nous vous prions de consulter au préalable Galates 7, verset 22 pour un vol atterrissage. Embarquement immédiat, porte numéro 1. Votre attention, s'il vous plaît. Puissance Airlines annonce le départ de son vol 722 à destination du paradis céleste. Nous vous prions de consulter au préalable Galates 7, verset 22 pour un vol atterrissage. Embarquement immédiat, porte numéro 1. Votre attention, s'il vous plaît. Puissance Airlines annonce le départ de son vol 722 à destination du paradis céleste. Nous vous prions de consulter au préalable Galates 7, verset 22. Voilà notre prochain rendez-vous ce sera pour midi. Embarquement immédiat. Bon Dieu béni en pile. I love you. But Jesus loves you more. Bye bye.